Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons appliquer des styles sur les différentes couches que nous venons d'enregistrer. Pour ce faire, nous avions déjà vu ensemble comment télécharger les données OpenStreetMap à partir des plugins à l'intérieur de QGIS. Nous avons téléchargé les données, enregistré les données, nous avons allégé les couches à travers des données que nous n'avions pas besoin. Puis nous venons de faire une requête sur les buildings de type commercial au niveau de QGIS pour pouvoir sélectionner uniquement les bâtiments de type commercial. Cependant, vous allez remarquer que nous avons perdu pas mal d'informations ou si on peut dire, mode de représentativité de ces différents types de données. Quand nous avions téléchargé ces données sur OSM, ils étaient bien représentés avec le mode de représentation OpenStreetMap, avec la couleur d'une manière uniforme, très bien répartie et de manière très visible. En enregistrant ces données, nous avons perdu pas mal de représentativité. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous allons réutiliser ces modèles OSM de manière automatique que nous pourrions utiliser à n'importe quel moment pour garder cette uniformité qui existait sur les données que nous avions téléchargées. Pour ce faire, nous allons déjà commencer par les couches de type polygone. Nous allons activer la couche polygone des bâtiments qui existait ici. Puis, nous devons cliquer sur polygone, OSM polygone, puis faire un clic droit, aller sur propriétés. Et à partir de propriétés, nous allons sur style. Donc, puisque nous sommes sur style, nous allons en ce moment voir apparaître cet onglet Charger le style, Save current style, Save current style, enregistrer tous les styles et autres. Donc nous allons faire enregistrer le style. Puis à partir de là, nous allons parcourir. Parcourir pour sélectionner la zone dans laquelle nous souhaitons enregistrer ce différent type de style. Juste pour préciser, pour ne pas effectuer d'erreur en confondant différents types de styles. Donc, premièrement, nous venons de sélectionner le style des polygones. Donc, pour enregistrer le style des polygones, il faut bien noter ou donner comme nom un style de type polygone OSM pour pouvoir l'appliquer plus tard à différents types de polygones existants sur OpenStreetMap. Donc, nous allons donner le nom un style polygone. Puis, cliquer sur enregistrer. Et OK pour enregistrer. Donc là, nous venons d'enregistrer le style polygone. Vous pouvez faire OK pour fermer. Ensuite, nous allons aussi enregistrer le style pour les lignes. Donc pour ce faire, nous allons désélectionner les polygones, puis activer le style des lignes, c'est-à-dire avec les routes et les différents types de catégorisation et de hiérarchisation des différents types de routes et de parcelles. Donc, nous allons sur OSM, nous allons faire la même chose pour les routes, puis nous allons sur style, enregistrer le style, puis nous allons cliquer sur parcourir, puis nous allons donner aussi le même nom, style route, OSM. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Enregistrer, OK, puis OK. D'accord? Et donc, pour ce faire, nous allons désélectionner les styles que nous avions déjà sélectionnés pour les routes, que nous avions déjà activés pour les routes. Donc, à partir de ce moment, pour faciliter la visibilité, nous pouvons décocher toutes les autres couches. Donc, ici apparaît la couche sur laquelle nous avions effectué la requête de ne représenter que les bâtiments de type commercial. Et pour ce faire, pour charger les styles, nous allons faire un double clic sur la couche, puis aller sur style, charger le style. Et là, nous pouvons parcourir pour retrouver le style que nous avions téléchargé, que nous avions enregistré. Donc, nous avions donné le nom style polygone, puis ouvrir. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur charger le style. Et charger les styles. Ensuite, vous pouvez cliquer sur appliquer. Voilà, le style s'applique automatiquement et donc vous n'avez plus à perdre du temps pour aller refaire des manipulations pour la sélection de différents types de couleurs ou autres. Nous allons faire la même chose pour les routes.
Donc pour cela, nous allons réactiver la couche OSM Root que nous avions téléchargée et enregistrée. Puis nous allons dans les styles. Puis nous allons charger les styles. Puis cliquer sur Style Root OSM, ouvrir, charger les styles, appliquer et OK. Et vous voyez, les styles viennent d'être appliqués avec le nom des routes et différents types de représentatives et hiérarchisation qui existaient sur les données que nous avions téléchargées initialement. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like, partager, commenter. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.